Rien n'est jamais fini dans la vie. La musique, on en fera. On ne fera plus les choses artistiques de la même façon. Bon, c'est vrai que ça fait. Vous savez, je vais commencer cette tournée l'année prochaine. Donc, puisqu'on sera en 2009, ça fera mes 50 ans de scène, mes 50 ans de carrière. Je crois qu'après 50 ans, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir pour faire autre chose, pour avancer, pour faire de la musique, tout simplement. Il n'y a pas que la scène. On peut faire de la musique autrement. Je crois que, vous savez, j'ai une famille maintenant. J'ai envie de vivre un peu plus avec ma famille. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire du cinéma. J'ai envie de faire des choses qui me, en faisant que de la scène, de voir autre chose que tous les jours les hôtels, la scène, l'hôtel, et puis repartir le lendemain pour vivre la même chose, quoi. Un an de tournée, c'est long, et puis il faut pas oublier que j'aurai 66 ans l'année prochaine quand même. J'ai vu un artiste qui avait un peu dépassé l'âge, je l'ai vu sur scène, un artiste que j'aime beaucoup, ça m'a fait beaucoup de peine, et je me suis dit je veux pas devenir comme ça. Voilà, c'est ce qui m'a donné cette envie d'arrêter pendant que je suis en pleine forme, disons. Ben vous savez, moi ça me donne de l'émotion à moi aussi. Vous savez, c'est vrai que je pense que quand on fait une longue tournée, on est toujours content d'arrêter en se disant bon, j'ai besoin d'un long break. Et puis après, au bout de quelques temps, quelques mois, on se dit, j'appelle en général Jean-Claude Camus et je lui dis c'est la mort dans l'âme que je dois t'annoncer que on repart quand, parce que je commence à m'ennuyer. Mais c'est vrai que mais contrairement à cette fois-ci, c'est vrai qu'on aura tous beaucoup d'émotions le dernier jour, quoi. Ça c'est certain. Mais bon, c'est comme ça, vous savez, c'est un choix dans la vie. Ce que je voulais surtout avant tout, c'était de ne pas faire un spectacle que j'ai déjà fait. Enfin, j'essaye de faire ça à chaque fois d'ailleurs. Mais cette fois-ci, bon, j'ai voulu laisser un petit peu tomber. J'en ai longuement parlé à Jean-Claude Camus. Le côté décor délabré, les villes détruites, bon, tout l'esprit des décors qu'on a fait ces derniers temps, pour faire quelque chose de plus, disons, de plus moderne, de plus de quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc voilà, c'est difficile. Je peux pas vous en parler aujourd'hui parce que si je veux vous montrer quelque chose qu'on n'a pas vu, je vais pas vous le dévoiler aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous plaira en tout cas. Écoutez, le cinéma, oui. Vous savez, moi, j'ai toujours une passion pour le cinéma. Moi, je voulais être acteur avant d'être chanteur. Donc, je ne dis pas non, simplement. Vous savez, c'est que les scripts, on en lit. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a beaucoup de scripts que je trouve personnellement qui sont pas terribles. Enfin, qui sont un peu... Pas disons ce que j'ai envie de faire. Par contre, quand je reçois des scripts qui me donnent envie, eh ben oui, c'est comme pour la chanson, j'ai envie de le faire, c'est certain. Mais je veux pas faire du cinéma ou tourner un film pour tourner. Je veux faire quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose que j'ai envie d'interpréter, un personnage qui m'intéresse. Pas juste me dire, voilà, alors il y a un film à faire, alors je le fais. Ça ne m'intéresse pas. Je connais Callo depuis longtemps, c'est un ami, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et au cours d'un dîner, comme ça, je lui avais dit, tiens, je vais faire un album dans 5-6 mois, ça serait bien que tu m'écrives une chanson. Bon voilà, ça s'est passé autour d'un verre de vin, comme ça, dans un dîner, tout simplement. Et puis il m'a envoyé cette chanson que j'ai beaucoup aimée, pas tant qu'elle soit crépusculaire ou pas, j'en sais rien, mais moi c'est une chanson qui m'a touché, que j'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, Philippe Maski, qui a fait mon dernier album, a longtemps travaillé, et travaille toujours, je crois, par moments avec Callo. Et donc,
Ça tombait bien parce que comme j'avais demandé à Philippe de s'occuper de faire cet album avec moi et qu'on avait cette chanson de Callot, donc je lui ai donné l'enfant pour qu'il en fasse ce que c'est devenu. Je crois que c'est surtout une chanson d'amour. Je crois que c'est surtout une chanson d'amour par rapport à un artiste et son public. Donc je crois qu'il faut le prendre comme ça, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Vous savez, c'est beaucoup plus simple que ça, les histoires. Les histoires d'amour, même compliquées, sont des choses simples, ce sont des choses de temps, ce sont des choses intemporelles. Il y a des gens qui m'aiment, que moi j'aime, qu'on se connaît maintenant depuis près de 50 ans, et puis voilà. Moi, j'aime bien bosser avec tous ceux qui ont du talent, déjà, pour commencer. Christophe Maé est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'ai été voir en concert. J'ai trouvé que sur scène... Vous savez, il n'y a pas de secret. Les gens... Maé a fait de la scène avant d'être connu. Il a fait beaucoup de scènes dans des petits clubs, il a beaucoup travaillé, il a dû faire des balles, il a dû faire plein de choses. Donc ça se voit, c'est un garçon, quand il va sur scène, on voit qu'il connaît son métier. Personne ne peut lui apprendre son métier. Maintenant, on aime son style de musique ou on n'aime pas son style de musique. Moi, j'aime bien son style de musique. Ça, c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui fait très bien son métier et qui connaît la scène parfaitement, qui est un habitué de la scène. Moi, j'aime profondément mon public. Vous savez, il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour venir me voir sur scène. J'ai pas envie de les décevoir.